Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquide de 766 pour l'épisode 19 de notre walkthrough de Batman Arkham City, Arkham Asylum, pardon. Donc on est exactement au même endroit où je m'étais arrêté. Entre temps, j'ai pu subir le bug que connaissent ceux qui ont vu mes walkthroughs d'Infamous 2, c'est-à-dire suppression du son. En fait, avant d'importer mon son sur Vegas Pro, celui-ci se supprime. Donc il faut que je récupère dans les fichiers temporaires, ce que je vais faire tout de suite. Enfin, tout de suite après avoir tourné cet épisode et terminé, je pense, le walkthrough. Après l'avoir récupéré dans les fichiers temporaires, il faut que je colle un à un tous les morceaux qui sont d'une longueur de environ, je sais pas, 10 secondes. En moyenne, c'est 160 morceaux. 150-160 morceaux les 30 minutes de vidéo à coller un par un, les uns après les autres. C'est long, je l'ai déjà fait deux fois. Par contre, ça se voit pas trop. Crozer, le PGM. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec toi, excuse-moi, Shadow. Mais en ce moment, je joue plus trop à Modern Warfare. Enfin, à Call of en général, hein. Je fais beaucoup à l'œil noir. Infamous 2. Je fais mon Wakfu, Batman en l'occurrence. Est-ce que j'ai oublié? Non. Ouais, alors par contre, oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on me parle aujourd'hui du double XP. Mais je m'en moque totalement du double XP. Je ne joue plus à Black Ops, ça m'intéresse pas. Là, la communauté me saoule. En fait, ça m'a gonflé le fait qu'ils aient osé faire un troisième map. Pack de map. But. En fait, c'est rien que ça, je trouve ça vraiment à la rigueur. Déjà deux packs map, je trouve ça exagéré, mais un troisième, quand on voit le nombre de cartes qu'il y avait de proposées à la base, vous vous rendez compte que quand même, avec trois packs de cartes, sachant que ça rajoute 4 cartes à chaque fois, donc ça, ils en rajoutent 12 cartes, ça leur fait 28 cartes. Bah, je crois qu'ils en ont moins que Modern Warfare 2, qui en a que 2. Enfin, même je suis sûr qu'ils en ont moins, puisque ça c'était pas utile. Cette zone n'est pas stable, trop dangereux pour le grappin. Je vais devoir grimper à l'ancienne. Il a l'air tout content de dire ça. Putain, il m'a fait peur. Je crois que c'était un ennemi, je sais pas. Putain, je vais trop vite, vous imaginez, je suis une connerie, regardez là. Je suis sur un truc, je suis pas censé y être. Bon, j'aurais dû m'accrocher là. Ah, je vous avouerai que c'est quand même beaucoup moins passionnant que le scénario en général, hein, ce genre de vidéo, je suis désolé. Mais voilà. Oh, ça c'est sympa comme raccourci involontaire. Ça c'est beau. Je vous avouerai que là c'est une des salles les plus dures au niveau des énigmes. Les plus dures en fait pour se déplacer d'une énigme à l'autre, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi, mais je sais que j'en chier. Je sais plus, je crois qu'il y a des bugs de collision en fait dans cette carte. Je suis pas sûr. En tout cas là. C'est après. Alors par où on passe? Non! Non! Je m'étais jamais rendu compte de ça. La dernière fois j'avais utilisé une méthode avec la tyrolienne, etc. Non, on pouvait passer par en dessous. En fait, c'est moi qui suis juste con. La carte, la map est très... Enfin, la map. Cette zone est très bien faite. Et il me reste... Ah oui, alors. Un point d'interrogation. Oui, il y a quelque chose là. Merci. Merci, merci, le jeu.
Je t'ai rien demandé, mais c'est pas grave, tu m'as fait descendre alors que je cherchais peut-être pas forcément à descendre. Alors, cherchons par où on voit quelque chose. Donc il faut trouver un deuxième truc d'encre. Je pense que c'est aussi en haut. Si Arkham devient ma prison, j'aurais fait de mon mieux. On ne m'oubliera pas. Là, je vois un petit truc. Ah, il me reste pas mal au manoir d'Arkham quand même. Alors voilà, c'est tout simple. On met ça là. Quoi non aligné? Quoi non aligné? C'est pas la guerre froide? Voilà, alors que là c'était pas aligné, mais c'est pas grave. Ouh, c'était joli. C'était beau. Ça avance, ça avance. Allez, de toute façon, on terminera avec cet épisode, hein, je pense. Je vous ferai mes adieux. Donc là, il y a un truc assez... Je crois que c'était... Dans ma mémoire, c'était glauque, mais je me trompe peut-être. Ils sont tous morts. Le Joker était ailleurs pendant que j'affronte ces monstres. Il le paiera. Alors ça, c'est aussi un principe que j'aime pas, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo. Le héros sauve des gens qui meurent 10 minutes après. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Peux-tu vaincre un esprit aussi brillant que le mien ? Voilà, c'est un peu glauque quand même. Ah oui. Non mais descends, c'est bon, je pensais que c'était encore dans cette salle, mais non, je pensais pas qu'on allait devoir retourner là-bas. Elle est où la porte? On doit redécoder? Non, non, j'ai... Oh, je sais plus où c'était, moi. D'accord. Sympa le raccourci. Enfin, raccourci, non, ça aurait été plus rapide dans l'autre sens, mais. Bon, là, je crois que ça va être un des derniers trucs d'Arkham. Allez! Est-ce qu'on peut en zoomant? Merci. Quel gain de temps. Je suis l'esprit d'Amadeus Arkham. Bien qu'Amadeus soit mort. Excusez-moi. Désolé. Je crois que c'est une des premières fois que j'éternue en étant au micro, moi. J'étais fier qu'il m'ait choisi. Vous avez de la chance de vivre quand j'éternue, c'est tout le temps deux fois. Là, j'ai l'impression que c'est qu'une fois. Mais bon. Si vous avez assez de volonté. C'est minuit 50 et tout le monde s'en fout. La force d'en déduire. C'est chaud dans ce pays, putain. Rejoignez-moi, l'ami. Ensemble. Alors aujourd'hui aussi, vous. Enfin, hier plutôt, maintenant. Tiens, c'est ma fête. On est le 3 juillet. C'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. On s'en fout. J'y vais, oui, hier, c'était le mariage de Charlène et. Et je préfère oublier ce monsieur parce qu'il est pas beau et qu'il est marié à une très jolie femme, on peut le dire. Alors franchement, si je devais choisir entre les deux princesses de l'année, Kate, Charlène, eh ben, purée, je sais pas. Parce qu'on va dire en gros, moi j'ai pas vraiment de type de femme particulier, j'ai plutôt un... J'ai plutôt un type de femme que j'aime pas, quoi. Il y a des, certaines catégories de femmes que j'aime pas, mais après, il y en a pas mal que j'apprécie. Et c'est marrant, c'est qu'elles sont quasiment toutes les deux les images de mes deux types préférés, quoi. Donc, forcément, je sais.
je saurais pas quoi choisir. J'ai trouvé une dent, deux dents. Donc on va vite faire aussi les dents de l'autre pays qui est à notre gauche. Voilà. Ce sera les deux dernières dents du jeu. Qu'à notre droite, je... Oh, il m'a fait peur. Eh, mais faut arrêter les fous, ils me font trop peur. 3? Ouais, bon, ils m'ont pas vu. Ouais, si je pouvais tuer... Oh, les voilà, les deux dernières dents. Je m'étais doudé qu'elles étaient là un moment. Je crois que j'ai même dit d'ailleurs dans le dernier épisode qu'elles étaient dans ce tunnel là. Et voilà, on a toutes les dents du jeu. Et si. Il est où? Oh, il s'en fout de moi. Et on va pénétrer le manoir dans lequel je voulais terminer avec une pièce secrète. Donc on terminera par cette pièce secrète. Donc on va commencer par aller à droite. Ouais, donc ça on fera à la fin parce que c'est dans cette pièce là. Ah bah il nous reste pas beaucoup à faire dans cet endroit. Donc en fait ça sera un épisode plutôt court, donc ça sera bien en 18 épisodes. Oh, les temps de chargement aux portes, s'il vous plaît, quoi. Non, mais là, je peux comprendre. La PS3 a tourné toute la journée. J'aurais pu l'éteindre tout à l'heure, j'étais con. Mais ça, c'est pour une putain de bagnole que j'ai cherché pendant une heure et demie, au moins. Et sur Internet, ils disent qu'elle était un endroit précis, sauf que l'endroit qu'ils décrivent n'existe pas. Il n'y avait pas d'immeuble vert. Merde. Non, mais c'est vrai, quoi. Faut arrêter. Franchement, là, il a une... Ouah, je savais. Je me suis vu me prendre le mur. Putain, elle est noire, le jeu est bien. Mais elle est sans... Je crois franchement, c'est pas le plus... C'est va pas être le platine le plus dur parce qu'il m'aura pas pris tant de temps que ça, genre 35 heures, qui est quand même moins que celui de Dead Space 2, qui est vraiment, vraiment dur. Mais par contre... Ouais, par contre, c'est de loin le plus chiant de tous les platines que j'ai eu. De tous. Après, j'ai pas encore fait celui d'Infamous 2 et à mon avis, vu les trophées à la vitesse à laquelle il se débloque, il va être bien chiant aussi. Mais putain, celui de... C'est qui dans le manoir? Ah, c'est Zaz. Non, ça c'est le pénitencier. Ah, ça doit être Nigma. Ah non, l'épouvantail, bien sûr. Bien sûr, c'est le deuxième endroit dans lequel on le rencontre. J'aurais dû m'en douter. Si je me souviens bien, c'est l'extérieur, donc Arkham Nord, Est et Ouest. C'est le Joker. Le truc où on arrive là au début, centre médical, soins intensifs, c'est Harley Quinn. Centre médical. Ah, on commence à s'approcher de l'endroit où est enfin, on a repéré où est Enigma. Donc là, on vient d'envoyer le signal à la police. Pourquoi pas ça sent de la police? Pardon. Et on va le choper. Donc je disais, oui, centre médical. Ben, je pense que c'est Enigma. C'est ça. Là, c'est l'épouvantail. Pénitencier, Zaz. Poison Evil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Waouh, ça picote ici. La moitié de ma vie, pile. Hugo Strange, le méchant du 2. Voilà, donc ça sera en fait un épisode de 1 quart d'heure 20 minutes, pas plus. Bah, on se sera bien dépêché hein, pour faire deux bâtiments. Ce sera 10 minutes pour deux bâtiments à la con. Un remake de 10 minutes pour... Un bâtiment à la con. C'est con. D'accord, gros plagiat de Fanta et Bob, mais c'est pas grave, je les aime.
Et ils m'aiment pas parce qu'ils me connaissent pas, mais c'est beau. Allez, on s'approche de la fin et de la pièce secrète. Ça se trouve, je vais la prendre à certains d'entre vous. J'ai découverte, moi vraiment, j'ai dû la découvrir en avril. Peut-être même en mai. Et vraiment, vraiment surprenante pièce secrète, j'ai envie de dire. Donc là, déjà, je vais vous laisser savourer cette magnifique fin totale du scénario du jeu. C'est fini à 100% le jeu dès que je serai monté ici. Excusez-moi. Voilà, alors je vous laisse savourer cette fin. Normalement. Ah! Le fail. Le fail! Le fail! Le fail que je viens de me prendre. Non! Je vous assure que j'avais pas vu le point d'interrogation. Oh le fail! Ah foutez-moi, ah, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, mettez je n'aime pas. Non, enfin non, mettez j'aime. J'aime pour le fail, mais oh là là, s'il vous plaît, mais c'est génial. L'ultime fail, en plus je me souviens très bien de ce trophée, il est derrière la statue dans le hall. Derrière, voilà, derrière la statue, il y a une... Sur la gauche, je crois même. Ah non, enfin... Oh, je m'en souvenais tellement bien que je me suis trompé d'endroit. C'est pas dans la statue, c'est là. C'était sur la droite, mais sur la gauche de la statue. Je rectifie le tir. Double fail. De toute façon, tout le monde sait que je suis le spécialiste du fail. Hein. Enfin, tout le monde sait, ceux qui me suivent depuis un bout de temps. Donc forcément... Quoi ? Ah voilà. Tu as réussi ! Tu as dû tricher ! Tu n'aurais jamais pu me battre ! Tu l'as voulu, Batman. Mon dernier défi pour Gotham tout entier dans une poignée de secondes. Tu as triché, Batman. Tu ne pouvais pas être plus intelligent que moi. Police, ouvrez. Police, ouvrez la porte. Mettez-vous à terre, à terre. Dites-moi, comment m'avez-vous trouvé? Vous m'entendez? Moi, Edward Nygma, j'attaque. Franchement. Franchement, c'est pas juste génial. Alors maintenant, on va tâtonner parce que je me souviens plus de l'endroit exact. Alors, c'est pas ici, c'est là, je crois. Je crois que c'est là. Alors, on va mettre plein de... Je m'en souviens plus. Alors soit on va faire une petite pause et je vais voir sur internet où c'est. Soit... Alors ça c'était pas utile non plus. Ah je sais plus où c'est exactement. Sinon c'est un fail et je me suis fait avoir comme un con. Alors attendez, excusez-moi, petite pause et je vais tout de suite voir ça sur internet. Je vais continuer à vous parler pendant ce temps là parce que j'ai vraiment pas envie de couper la vidéo et faire un montage, c'est chiant, l'ordi est pas assez puissant pour ça. On va essayer, continuer d'essayer sur certains murs, genre celui-ci. Allez, attendez, YouTube se charge. Ouais, c'est vraiment un... Tiens, Diblox9 va lancer une nouvelle vidéo au moment où je vous parle. Alors. Hop. Non. Le secret de Warden. Donc, voilà. Donc. Et déjà, je faisais pas au bon endroit. Ah oui, je sais, c'est là.
Mais c'est un fail en fait. Parce que le gars il arrive à cumuler plein d'explosifs sur le même mur. Moi j'arrive pas. Attendez, j'ai l'impression que je suis en train de me faire avoir. Ah si. Ouais. Il le fait plusieurs fois comme moi. Je suis en train de vraiment de voir la vidéo là. Je trouve pas que ce soit un fail parce qu'il filme sa télé. C'est pas du tout quelqu'un qui est avec un... Oh. C'est pas un fail. Un fake. C'est pas un fail non plus. Pièce secrète. Eh oui, elle existe. Eh oui, je l'ai devant mes yeux. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Des codes qui... Des codes qui codent, des plans qui planent et des croquis d'Arkham City qui sont planqués, genre un hôtel. Et la... Le Joker capturé, la prise du Joker, Arkham City, non, Arkham Asylum, avec un magnifique pont qui passe au-dessus. Donc c'est pas l'asile dans lequel on est actuellement. Ah d'accord, un pénitencier, une aile psychiatrique et une usine de manufacture, enfin non, de sidérurgie, pardon. Arkham Asylum, donc c'est, il y a les, quasiment les mêmes choses qu'ici en dehors de l'asile d'Arkham. Magnifique, magnifique portrait de Quincy Sharp, et donc c'est sur cette magnifique secrète. C'est une magnifique pièce secrète que je vais vous laisser. Donc pour la fin de mon walkthrough de Batman Arkham Asylum sur le cadavre qui n'a pas bougé de notre cher docteur Young. Voilà. C'est solennel, c'est le moment où on se dit au revoir pour ceux qui décident de pas suivre mes vidéos. Vous êtes libre, vous avez le droit, je vous oblige à rien. Il manquerait plus que ça. Donc bon, vous pouvez quand même regarder le walkthrough de Ninja Moose 2 ou mes autres vidéos. C'est... Je vous le conseille. Et moi je vous dis à la prochaine pour ceux qui me suivent. Et sinon, à plus sur le forum de Batman Arkham City quand j'aurai accès pour de bon à ce jeu-là. Allez, à plus.